Et salut tout le monde, c'est Sandy 30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mario Kart Tour. J'espère que vous allez bien, ça fait énormément de temps que je ne vous ai pas tourné de vidéo Mario Kart Tour. Tout simplement parce que en fait, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés sur le jeu, on va pas se le cacher. Il y a quand même deux saisons, même trois saisons que je ne vous ai pas faites en vidéo. Il y a la saison de la Saint-Valentin, il y a eu la saison des neiges, il y a eu aussi la saison de Vancouver, et oui, je l'ai totalement raté. En fait, non, je l'ai pas totalement raté, mais je vous avais fait une vidéo sur la saison de Vancouver. On découvrait les courses, etc. Mais en fait, je suis parti entre-temps en stage, et du coup, j'ai pas pu vous envoyer la vidéo à temps, donc c'est une vidéo qui ne sert absolument à rien, parce que je ne vais pas lancer la vidéo de la saison de Vancouver, alors que, eh bien, maintenant, il y a la saison de Mario Bros. Qui est sur le jeu. Alors, la saison de Mario Bros, elle est un petit peu bizarre parce que, déjà ça sera un pack opening, hein, aujourd'hui je vous le dis direct, mais regardez, tuyau de Mario Bros, 1, encore 10 jours, ok, donc pour le moment c'est cool, mais regardez ça, en lumière, les cartes en lumière, il y a juste du coup Mario en version classique. Donc en fait ce skin c'est Mario en version classique, c'est le vrai Mario qu'on avait à l'époque de la NES sur Mario Bros. Du coup voilà, il a sa belle salopette rouge et son t-shirt bleu. Il a le triple champignon, c'est un nouvel item pour les personnages ultra rares. Aucun d'entre eux n'avait jusqu'à présent eh bien le champignon turbo, enfin les triples champignons turbo. On a aussi le bombe rouge qui est vachement stylé, il est vraiment trop stylé, on va se le dire. Et on a aussi le personnage de Mario avec la fleur de feu. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a que 50 petits tirages à faire. Donc potentiellement, on va pouvoir récupérer les personnages extrêmement rapidement avec un peu de chance. Donc en fait, en ultra rare, du coup, en lumière, on a le Mario classique. Mais après, ce qu'on peut avoir, c'est un ultra rare hors lumière. Et en fait, moi, ce qui me plairait le plus, c'est quand même d'avoir Luigi classique ou Mario de glace. On va pas se le cacher. Au niveau de cette saison Mario Bros, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Eh bien, je vais vous montrer tout ça. Déjà, on va faire un petit débrief vite fait sur ce que j'ai raté, hein, avec vous en vidéo. Donc, dans la saison des glaces, ils ont ajouté Birdo bleu ciel. Dans la saison de la Saint-Valentin, ils ont ajouté Mascas rose. Et aussi, ils ont ajouté Bébé Peach chérubin. Dans la saison des glaces, ils ont aussi ajouté Mario de glace, qui est d'ailleurs un personnage qui sera dorénavant toujours hors détecteur, hors lumière dans les tirages. On a aussi Luigi Pingouin, donc dans la saison des glaces. La saison Mario Bros ajoute Mario classique et Luigi classique avec la toussette, incroyable. Dans la saison de Vancouver, on a eu Harmony Aurore, mais on a eu aussi Wario Camper. Donc vous avez vu, hein, un skin pour Wario, c'est quand même incroyable. Du coup, ils ont un petit peu changé au niveau de ça, parce que bon, Harmony avait déjà eu un skin. Mais voilà, maintenant, ils ajoutent de plus en plus de skins sur des personnages auxquels on ne s'y attend pas forcément. Donc on a eu Waluigi, par exemple, en skin. On a eu Yoshi avec Yoshi Ren. On a eu Luigi Pingouin, on s'y attendait pas vraiment. Et là, ils ont mis Wario Camper. Malheureusement, Canoa Bobombe, bah c'est vraiment naze. Donc ce ne sera pas pour moi. Au niveau des cartes, on a du coup carte enfant rouge qui a été ajoutée via cette saison Mario Bros. Turbo Yoshi rouge, bon bah ça c'est nouveau. Végétal beige, ça c'est nouveau. Bombe rouge, ouais. Ok, ok, ok. Donc là, c'est dans la saison des glaces, le turbo Birdo bleu ciel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça, la moto neige, elle était dispo dans le pass or de la saison de Vancouver. Mais vu que j'ai pas taffé la saison de Vancouver, je suis dégoûté parce que j'ai loupé la moto neige, quoi. En plus, elle était gratuite. Je suis vraiment débile. Comète Aurore, ça, je ne connaissais pas ce carte, vous voyez, par exemple. La popom de la saison de la Saint-Valentin. Ectoblast des neiges, etc. Bon, voilà, on a beaucoup de nouveaux cartes. C'est pas mal. Au niveau des deltaplanes, oh, mais on a le sauté Mario 8 bits. C'est quoi ce nom de deltaplane? Ça n'a aucun sens. Oh, voile bloc. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Elle fleurit émeraude. Donc ça, c'était dans la saison des glaces, peut-être. Je ne sais plus. Mais il me semble que c'était le cas. Et après, on n'a pas d'autres trucs. Anafuda, œuf de Yoshi. Elle Swooper d'or. Ouais, mais ça, c'était dans le pass or. Ça, c'était dans la saison de Vancouver, je m'en souviens. Étoile arc-en-ciel. Pareil, voile Luma aussi, saison de Vancouver. Là, on a les ailes de la Saint-Valentin et l'origami Gru qui était, je pense... Non, même pas, en fait. L'origami Gru, je vous dis des bêtises, mais en tout cas,
l'aile Saint-Valentin et du coup le ballon cœur, enfin les ballons cœur plutôt, étaient disponibles dans la saison, eh bien, de Peach Chérubin. Bref les amis, c'est parti, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un pack opening, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus et on est parti. J'espère avoir Mario, du coup, très rapidement. On commence avec une ultra rare, c'est pas mal. J'espère vraiment avoir Mario très rapidement. Et ça commence très bien avec un nouveau carte. Super, le turbo Birdo. Donc c'était le turbo Birdo bleu ciel. Donc là on a le Yoshi, incroyable. Je n'ai pas Mascasse Rose. Mascasse Rose, j'aimerais bien l'avoir moi. Ok, Ludwig. Très bien. Ces personnages là ne sont toujours pas au max, hein, donc c'est bien. Bombe bleue, niveau 2. C'est bien, on monte des niveaux, je suis content. Ok, Roy, bientôt niveau 4, 5 sur 8. Ok, oh, le carte enfant vert, eh ben c'est parfait ça. C'est parfait, un petit carte commun qui s'ajoute à ma collection. Coupa Bolide, 250 pièces bien évidemment, je l'ai maxé déjà. Et c'est un personnage ultra rare, est-ce que c'est Mario Bros? Enfin, le Mario en skin Mario Bros? Oui, parfait. Triple champi, c'est cool ça. Oh, c'est même pas fini en plus. Waouh, incroyable. Ludwig. Parfait. Et c'est terminé. Eh ben écoutez, plutôt satisfait de mon tirage. Écoutez les amis, regardez Mario classique. On a eu aussi carte enfant vert. Et on a eu Turbo Birdo bleu ciel. Mais écoutez, je suis vraiment très refait. Écoutez les amis, je vous fais une petite ellipse temporelle. Je vous retrouve une semaine plus tard pour moi, mais vous, ça va durer 2 secondes, pour faire du coup le tuyau de Luigi en skin classique. Re tout le monde, nous voici une semaine plus tard. Nous sommes le mercredi 4 mars et du coup, eh bien, la deuxième partie de la Ligue Super Mario Bros est arrivée. Du coup, j'ai pu farm un petit peu les courses, etc. Et normalement, je suis premier de ma course. Voilà, ok, parfait. Je suis monté Ligue 35. 35 rubis, 1500 pièces, 6 points de pilote, 6 points de carte et 6 points d'aile. Incroyable, ça me fait 34 896 points. Bah écoutez, c'est super, c'est vraiment cool. Et du coup, ça me fait 203 rubis pour, eh bien, cette nouvelle partie de cette célébration. Ok. Donc, en plus, Luigi en version rétro, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Enfin, pas que j'aime beaucoup, en fait, mais genre, j'aime bien son style, en fait. Et du coup, là, je suis premier avec 26 000 points. Bon, je pense que je vais me faire vite détrôner, donc il va falloir que je bosse un petit peu plus les courses. Alors, au niveau des trucs, déjà, on a des cadeaux, donc on va récupérer ça. Voilà, cadeau de Nintendo. Maintenant, Nintendo, à chaque fois qu'il y a une deuxième partie de célébration ou à chaque fois qu'il y a une nouvelle célébration, il nous donne 5 rubis. C'est cool, c'est vraiment cool. Ok, donc, tuyau de Mario Bros, numéro 2, encore 6 jours. Donc, vous voyez, il y a Luigi hein, en vedette, avec Luigi en version classique. Et aussi, on a ce petit carte, la Végétale Beige. D'accord. Au niveau des personnages qu'il y a dedans, on a quoi? Alors, déjà, on a Luigi classique, bien entendu, à 2%. Donc, c'est vraiment un personnage que vous pouvez avoir très facilement, en fait. On a Bowser Squelette, Mario de Métal, Pauline, Peachette, Mario Classique, qui est de retour, Mario de Glace, que j'aimerais beaucoup avoir. Donc ça, c'est les personnages hors détecteur, qu'on peut avoir quand même en ultra rare. Intrépide, Bitboline, Maxeller, Automobile, Cabriolène, Butineuse, Intrépide Rouge, Magikarte. Il y a pas mal de cartes que j'ai déjà, en fait. Donc on va essayer d'avoir des nouveaux cartes, même si c'est pas moi qui décide. Super, El Nuage, Eldor, Origami Gru, Ballon Cœur. Il y a quand même 3, je crois, Deltaplane que je n'ai pas. El Nuage, je l'ai pas. Origami Gru, il me semble que je l'ai pas. Et Ballon Cœur, c'est sûr et certain, je l'ai pas, vu que j'ai pas fait de vidéo sur la célébration de la Saint-Valentin. Bref, les amis, c'est parti, 45 tirs. On espère dropper Luigi. En plus, il a un item qui est incroyable. Donc, Luigi, vraiment, mon pote, viens, quoi, viens. Allez, viens. Comme ça, on met pas 3 heures pour faire la vidéo de l'opening, du coup, de cette nouvelle célébration. Et comme ça, on a directement les nouveaux personnages qui nous plaisent. Ok, ça commence mal pour le moment. Hein. 3 communs, même si, bon, c'est des communs qui augmentent, bah, c'est bien. Mais bon, on a vu qu'on avait l'ultra rare. Donc, potentiellement, on n'aurait qu'une ultra rare dans ce tuyau. Ok, l'aile piston, pas mal. J'aime bien. Alors,
Ok, Buggy Retro, ça me saoulerait un petit peu d'avoir aucun nouveau carte. Ah bah voilà, je dis ça et c'est parfait. Ok, Végétal Bleu, mais on a toujours l'ultra rare, hein, je vous rappelle. Ok. Ah bah ok, c'est les ballons cœur. D'accord, ok, donc ce sont les ailes du coup hors détecteur. Ok. Oh! Alors attention, ça peut être un nouveau personnage Mario de glace ou Luigi. C'est Bowser Squelette qui revient. Ok, c'est Bowser Squelette qui revient, c'est dommage. Alors c'est vraiment dommage, mais on a quand même eu beaucoup de chance sur ce tuyau. Ah ouais, on a vraiment eu beaucoup de chance. Du coup là ça se passe comment en fait si on fait encore un tir? Donc ça veut dire que la végétale on peut plus l'avoir. Et ça nous fait 40 sur 50. Mais le problème, c'est que voilà, après, les personnages sont à 0%, les ailes sont à 0%. Donc moi, ce que je propose, c'est de réinitialiser le tuyau. Ouais, on va le réinitialiser. Ouais, on va le réinitialiser. Comme ça, on aura encore plus de chances d'avoir de nouveaux personnages. On est d'accord. Donc voilà, c'est vraiment l'astuce que je vous conseille de faire, de réinitialiser votre tuyau. Voilà, parce que regardez, on a encore du ultra rare. Donc, potentiellement, on peut avoir un nouveau personnage ultra rare. Mario de glace. Moi, ça me plairait. Parce que j'ai toujours pas de personnage avec la fleur de glace. Ok, le turbo ruban qui est là. Incroyable. Ok, le Deca Jumbo. Bientôt niveau 4. Ça, c'est cool. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Ok, Ludwig. Parfait. Qui on a après? Oh, le parapente plante piranha. Le perso ultra rare, là. Vas-y, balance-le. Ok, Morton. Bientôt niveau 4. Ça, c'est cool. Le petit Lemmy, niveau 4, enfin. Ok, bon, Lemmy, c'est pas un personnage de ouf, parce qu'il a la bulle, mais bon, quand même. Ok. Eh ben, Koopa, niveau 5. Ok, Koopa va bientôt monter niveau 6. Hein. Et d'ailleurs, ce sera mon premier personnage commun qui va monter niveau 6. Par contre, là, mon ultra rare n'est toujours pas arrivé. Je pense que ça va être un ultra rare de carte ou de planeur. Ok, ça m'a fait peur, j'ai cru que c'était l'ultra rare. Alors, ouais, c'est ça. Ok, bah, l'Eldor, écoutez, moi, ça me va. Ça me va parce que l'Eldor, c'est vraiment un bon Delta Plan. Parce que regardez, il a quand même donc plus de pièces. Mais il a aussi 8, 9, 10, 11. Il a 11 courses sur lesquelles il a plus de points. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, continuons. Il nous reste 2 essais. Bon, je pense qu'on va quand même l'avoir, hein, le petit Luigi. Ok, là c'est un peu nul quand même. Même si on peut toujours avoir des ultra rares dans un tuyau vert, hein, c'est pas impossible. Mais bon. Ok, alors lui, je l'ai maxé. L'aile standard, je l'ai maxé, ouais. Donc c'est dommage. Ok, Koopa. Qui va bientôt monter niveau 6. Hein. Oh, l'aile fleurie rose. Ok, je ne pensais pas l'avoir. Bon, bah écoutez, très bien. Elle monte niveau 2. C'est parfait. Ok, le petit Larry. Ah, Larry est bientôt niveau 6 aussi. C'est vrai, j'avais totalement zappé. Luigi, niveau 2. Ok, bah c'est bien. C'est bien parce que pourtant c'est un personnage rare qu'on a eu vraiment au début du jeu, quoi. Et pourtant il est toujours niveau 1. C'est un peu bizarre. Ok, Koopa. 2 sur 14. On a quoi? Oh, le super Bloops. Très bien. Alors, ça, le carte enfant vert, c'est un nouveau carte. Donc, si on le monte, c'est très bien pour nous. Mais bon, c'est pas ça que je demande en priorité, comme je vous l'ai dit. Ok, donc c'était nul. Bon, on a quand même eu de nouveaux rares. Mais bon, ok. Ok, on a un tuyau vert Skelerex. Pourquoi pas. Allez, on continue. Ok, le parapente, que j'ai déjà maxé malheureusement. Oh, l'aile standard, mais c'est une blague. Bon, au moins ça me refait des pièces, mais bon. Ok, Koopa rouge course. Bientôt niveau 3, qui a la fleur de feu, si je me trompe pas, qui est pas incroyable. Oh, Roi Bou, ça je prends, un très bon personnage, qu'on voit pas souvent dans les packs opening que je fais. Oh, le rétro, c'est pas possible, tous les trucs rétro, c'est bon, je les ai maxés, quoi. Bah, en même temps, ils sont au tout début du jeu, quoi. Diddy Kong, purée, mais Diddy Kong, je te veux tellement pas. Donnez-moi du Luigi, donnez-moi d'autres trucs, quoi, parce que Diddy Kong, franchement, c'est vraiment un perso poubelle, quoi. Oh là 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 là, niveau 5 pour Diddy Kong, il me troll. Ok, 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 niveau 5. Oh, mais c'est une blague. Purée. Ah, mais ça nous aura fait quand même 1000 pièces, donc c'est pas négligeable. Même si, bon, les pièces, en vrai, je m'en fous un peu.
Bon, ça nous fait 2000 pièces. On peut acheter ça, vous voyez. Ça, c'est bien. C'est important de les avoir. Sinon, on a le Super. Ouais, en ultra rare dans la boutique. C'est pas incroyable. On a ça, la riz. On a aussi l'aile origami. Ah, celui-là, il va passer niveau 5. Regardez. Hop, voilà, c'est parfait. Et on va prendre lui. Voilà, ok, c'est parfait. Et on a encore 1156 pièces. Mario bientôt niveau 5 aussi, hein. Purée, c'est trop triste, genre Mario il est bientôt niveau 5. Et du coup, Luigi il est que niveau 2 quoi. Donc à mon avis les amis, on va refaire un petit tirage. Mais en fait il va falloir que je farme dans le mode aventure là. Donc je vais farm un petit peu dans le mode aventure, je vais récupérer les 2-3 cadeaux qui me restent. Et à mon avis on aura assez de rubis pour arriver du coup à 45. Voilà les amis, je vous fais une petite ellipse et on se retrouve juste après. Et nous revoilà les amis avec 45 rubis en poche. Voilà, du coup j'ai fait les petites courses et j'ai débloqué les défis. Bon, il me manque encore 3 défis, mais ça en fait c'est des défis qu'ils ont rajoutés via les récentes saisons en fait, j'ai l'impression, parce que en fait c'est un défi qui se débloque une fois qu'on a complété toutes les courses. On n'est pas obligé de les faire à 100%, mais il faut les compléter. Donc, utiliser 15 fois un champi turbo, bon, ça va se faire, mais au fur et à mesure. Renverser 3 fois vos adversaires pendant un vol plané. Je pensais que je l'avais fait celui-là, mais finalement, non. J'ai même rempli les défis or. Donc, voilà, on a terminé tout. Et du coup, voilà, le petit cadeau avec Skelerex, 100 pièces et 3 petits rubis. Ça nous fait 45 rubis, incroyable. Donc, les cadeaux saisonniers, parfait. Je suis 3ème de la ligue, hein. J'ai quand même descendu parce que bah, les gens se connectent hein, finalement. Donc voilà, l'autre est à 31 000. J'espère avoir Luigi les amis. C'est pas sûr qu'on l'ait, hein. C'est vraiment pas sûr. Parce qu'il nous reste 20 tirages. Et en fait c'est vraiment pas sûr. On est sûr, tout du moins, d'avoir peut-être une ultra rare. Enfin même ça on n'est pas sûr en fait. Mais bon, c'est quand même assez peu probable parce que regardez, il y a quand même du coup l'ultra rare personnage, l'ultra rare en lumière, on a aussi l'ultra rare en carte et voilà, du coup moi je pense que quand même c'est possible d'avoir un ultra rare. Regardez là, il y a même plus de rares en personnage, c'est incroyable ça, et il y a même plus de rares en delta plane. Ok d'accord. Donc je ne sais pas, ce qui peut se passer durant ce pack opening, mais oh ben c'est un ultra rare qui tombe. Espérons que ce soit Luigi en ultra rare, ou espérons que ce soit eh bien Mario de glace, pourquoi pas. Et si jamais c'est en carte, bah en carte que je n'ai pas en priorité, ça sera cool. Ok, Ludwig, 5 sur 11, pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eh bien le carte enfant vert qui va passer niveau 2. Ils sont très stylés ces cartes. Il y a le carte enfant rouge et il y a le carte enfant vert. Et ceux-là, franchement, ils sont méga stylés. J'aimerais beaucoup les revoir dans eh bien, un jeu Mario Kart complet. Pas dans Mario Kart Tour, mais vraiment un jeu Mario Kart complet. Donc là, Végétal Beige, niveau 2, parfait. J'ai bien fait de réinitialiser le tuyau, je pense. Hein. El Origami Sbir. Ok, encore une fois, El Origami Sbir. Il me kiffe. Ah, c'est la bitumeuse. C'est la butineuse. Mince. Non. Du coup, mince. Oh là là, c'est la tristesse. On n'a pas d'ultra rare, là. Encore. Oh non. Pitié. Oh non, finissez pas avec Larry. Oh non, purée. Ça veut dire que je n'aurais pas dû réinitialiser les tuyaux. Oh non. Ça veut dire que... Alors, attendez. Si on a encore... Ah bah ouais, bah oui, 10% forcément. Et ouais, du coup ça veut dire que là, si on retire encore une fois, on a 100% de chance de choper Luigi classique. Et on a bah, 100% de chance de choper un ultra rare. Purée, je suis dégoûté. Ça va pas. Et en plus on a 100% de chance de choper un rare. Un rare en carte. Oh c'est la tristesse. Purée, la butineuse quoi. Sérieux, ils auraient pas pu me donner genre d'autres trucs. En carte, il me manque pas mal de choses pourtant. En carte, j'ai pas quoi. Bah en fait, je crois que je les ai tous, les cartes hors détecteur. Ah mais non, j'ai pas le Big Bolide, j'ai pas le Magikart. Et non, après c'est tout quoi. C'est la tristesse, purée. Oh là 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 là. Bon, écoutez les amis, je pense que on va utiliser
la carte bleue. Et on va prendre du coup ce lot là peut-être. Bon, et bien écoutez les amis, j'ai fait chauffer la carte bleue. Voilà. Donc voile bloc, point d'interrogation, c'est parfait. En plus un deltaplane rare qui nous donne des pièces. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait chauffer la carte bleue durant les packs opening de Mario Kart Tour. J'avais beaucoup économisé ces derniers temps. Mais voilà, je veux vraiment terminer ce tuyau pour avoir, eh bien, le Luigi en version classique. Donc les amis, voilà, deux ultra rares dans un tuyau. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a eu quand même beaucoup de chance hein, dans ces packs opening. Donc voilà, je suis plutôt satisfait, hein, on va pas se le cacher. Alors, Buggy Retro, 7 sur 8. Bon, là, on a que du rare. Hein. On a vraiment que du rare. Morton, niveau 4, c'est pas mal. Roy, bientôt niveau 4 aussi. Mais du coup, là, on va enchaîner les ultra rares. Donc là, est-ce que c'est Mario de glace? Oui! Oh, yes! Oh, c'est trop stylé! En plus, je fais Mario Galaxy en ce moment. Oh, c'est stylé! Purée, on avait quand même pas beaucoup de chance de l'avoir. On avait genre une chance sur 5-6. C'est chaud, hein? Les probabilités, là. Donc là, on a bien évidemment Luigi classique avec la toussette. Parfait. Luigi! Je voulais entendre sa voix. En fait, c'est Luigi classique, quoi. Enfin, c'est la voix de Luigi, même en version rare. C'est la même, ils ont pas à retoucher. Ok, Beat Bolide. Enfin, Bolide plutôt. Pas Beat, Bolide. Non, c'est juste Bolide. Très bien. Ah, le carte enfant rouge. Je vous en parlais justement. Eh ben écoutez, je suis très satisfait de ce pack opening. Voilà. On a fait deux pack opening en un. Enfin, en une vidéo. Voilà, on a fait le pack opening de Mario. Vous pouvez voir que j'ai même pas retouché au tuyau hein, depuis qu'il est sorti. On avait vraiment fait qu'un tirage et on avait chopé le Mario. Donc, c'est cool. Et du coup, voilà, écoutez les amis, je suis très content, très satisfait. Regardez, maintenant, du coup, il nous manque deux personnages rares. En ultra rare, eh ben, j'ai tous les personnages hors détecteur. Hein. Regardez, alors, on va voir. C'est dans... Voilà, c'est dans 5 tirs, c'est dans un faux. Voilà. Et du coup, alors, attendez. Bowser Squelette, gelé. Mario de Métal, gelé. Pauline, gelé. Peachette, gelé. Mario Classique, ben, gelé maintenant. Et Mario de Glace, gelé. Donc, il y avait vraiment 6 personnages. Donc, j'avais une chance sur 6 de choper Mario de Glace. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, au moins j'ai tous les personnages hors détecteur. Voilà, tous les personnages rares hors détecteur. Donc c'est cool, ça nous fera des doublons pour la suite. Du coup, on a chopé les deux personnages que je m'étais fixé en objectif. Donc Luigi Classic et Mario Classic. Je suis vraiment très content. Et puis après, voilà, les personnages que je n'ai pas en ultra rare. Franchement, c'est des personnages que je ne veux pas ou que j'ai voulu avoir, mais que... Eh bien, je n'ai pas eu, par exemple, Yoshi Ren, j'aurais beaucoup voulu l'avoir, mais bon, écoutez, il n'est pas tombé. Pareil, hein, Harmony Aurore et Wario Camper, même s'ils ont des items pas ouf, j'aurais bien voulu les avoir. Pareil, Luigi Pingouin, il est grave stylé, j'aurais bien voulu l'avoir, mais après, le reste, on s'en fout un peu, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Kart Tour, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et on se retrouve et écoutez très prochainement pour une nouvelle vidéo de Mario Kart Tour sur une nouvelle saison. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.